Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et on se retrouve pour le test de Moon Crystal sur Famicom, sorti en 1989, édité et développé par Hector. Je vais lancer la partie quand même, comme ça il y a la suite de l'histoire qui se déroule. Donc vous avez vu l'histoire, en fait c'est sur fond d'une espèce de conte de fées ancestrale que raconte un jeune garçon à sa sœur. On comprend qu'en fait à un moment donné il y a tous les gens du village et notamment la famille du jeune garçon qui s'appelle Ricky Slater, qui a été enlevé par des mystérieux kidnappeurs. Et son père lui dit que les kidnappeurs en ont après la Moon Crystal, la pierre de lune, le cristal de lune. Et là, on nous explique en fait que la lune a des pouvoirs, la pleine lune a des pouvoirs, et que ce cristal aurait des pouvoirs équivalents, voire même supérieurs à la pierre de, à la lune lorsqu'elle est pleine. Et donc c'est ça que sont venus chercher les mystérieux kidnappeurs, et c'est pour ça qu'ils ont enlevé la famille de Ricky et tout le village. Ricky lui a réussi à s'enfuir, et on va en apprendre bien sûr plus sur l'histoire, sur pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'ils ont kidnappé tout le monde, etc. tout au long du jeu. C'est un jeu qui est à la base sur Famicom, donc en japonais uniquement, mais qui a été traduit. Vous avez vu le nom du traducteur sur la page. C'est une ROM traduite que j'ai utilisée. Oh putain. Ça y est, je me trompe de bouton, ça commence bien. Donc vous voyez qu'on dirige dans un jeu un petit peu à la Castlevania, comme ça, un petit personnage qui peut sauter et donner des coups de couteau. Hop, vous voyez, comme ça, je peux tuer cette chauve-souris, je peux tuer ce brigand. En général, la majorité des ennemis se tuent en un coup, mais pas tous. Ici, je chope une upgrade de mon arme. Vous voyez qu'on a des coffres qui permettent de choper des items. Et on peut s'accrocher au rebord, un petit peu comme dans Metroid Zero Mission par exemple, mais c'est pas le premier jeu à avoir proposé ça. Hein. On peut s'accrocher au rebord en fait des branches, des falaises. Et ça c'est vachement bien. Alors ici par exemple, attention, je vais choper ça. Ça c'est un diamant. Ça me rend invincible temporairement. Hop, ici j'arrive à accrocher le rebord, etc. Donc c'est un jeu de plateforme, plateforme action, avec un gameplay qui ressemble un petit peu à du Castlevania. Ici il faut se baisser. Faut attendre qu'elle se pointe, elle, l'Amazon, là. Voilà. Parce que, à sa hauteur, on se prend les flèches. Ici, j'ai chopé une upgrade de ma barre de vie. Vous voyez que ma barre, elle démarrait à 3 coeurs, et là, elle en a 4. Ici, je vais choper les bottes ailées. Et les bottes ailées, ça permet de faire quoi? Tout simplement, vous allez voir, hop, hop, un double saut. Ça, c'est vachement pratique, mais on l'a pas tout le temps, évidemment. Là, on l'a, mais on l'aura pas tout le long du jeu. Il y aura des endroits où on l'aura pas. En général, quand on en a besoin, on nous le donne. Hop, ici, vous allez voir, là, je vais tomber, je vais choper une vie cachée. Vous voyez qu'il y a certains endroits où il y aura plusieurs écrans, verticaux ou horizontaux, c'est pas le cas dans tout le jeu. Et les ennemis repopent quand on change d'écran. Hop, elle est tombée, elle s'est suicidée, elle. Hop là, j'ai chopé un conteneur, donc j'ai ma barre de vie qui est pleine, qui fait 5 coeurs. On peut pas avoir plus que 5 coeurs. Si je rechoppe un conteneur de vie après avoir eu 5 coeurs, ça me remplit ma barre de vie. Sachant que les conteneurs de vie hop, ne remplissent pas la barre de vie. Si on a perdu un coeur, ça nous rajoute un conteneur mais vide. Ici, bon là forcément ça fait rien puisque je l'ai déjà. Voilà, ici, hop, voilà, impeccable. Et là on va aller déjà au premier boss. Donc le premier boss, normalement... Il faut attendre qu'il lève sa hache et il faut le frapper. Et moi j'ai une technique toute conne, et je me mets là. J'attends qu'il vienne. En fait je profite de mon allonge. Et voilà, il m'a même pas touché. Vous allez vous dire c'est un jeu facile. Non pas du tout, hein. Vous allez le voir un petit peu plus loin. C'est pas du tout un jeu facile. Sachant que là vous avez vu j'ai gagné des items. Si j'étais mort, tous les items que j'avais seraient perdus. Je reprenais au checkpoint. Il y a un checkpoint à peu près par niveau. Avec mes 3 cœurs et aucune upgrade. C'est pour ça qu'en général, quand vous avez besoin par exemple des bottes ailées ou des choses comme ça, ils vous les donnent juste avant le moment où vous en avez besoin. Pareil, là il y avait une upgrade d'armes disponible juste avant le boss pour nous aider parce que c'est le premier boss. Mais faut pas vous fier au premier niveau, le jeu est loin d'être évident. Alors là on voit que l'histoire se déroule un petit peu plus. On rencontre une jeune fille qui s'appelle Rosina et qui nous explique que c'est le comte Crimson qui est derrière l'enlèvement du village et de la famille et qu'il habite dans ce château.
Et elle nous invite à y aller hein, pour essayer de savoir où est retenue notre famille. Et on ne sait pas pourquoi elle nous aide, on ne sait pas qui elle est, pour l'instant. Elle suppose que les habitants sont dans le château. Et donc nous, bah, on va y aller, on va prendre la route du château. Château, c'est le troisième niveau. Voilà, et ici on arrive sur le pont qui mène... Ça fait très Castlevania par exemple. Hop, avec du scrolling différentiel au niveau des nuages, là c'est... Alors bien entendu, vous l'aurez constaté, c'est un jeu qui bénéficie d'une technique assez soignée. Faut savoir une chose, c'est que à l'époque où ce jeu a été développé, c'est-à-dire en 89, on était encore sur les anciens modes de développement sur NES et Famicom, dans le sens où on considérait que plus de 3 frames pour décrire un mouvement pour un personnage de jeu vidéo, c'était une perte de temps et surtout une perte de ressources processeur. C'est une perte de temps de calcul. Et donc du coup, on avait des... C'est pas que les personnages étaient mal animés, mais on animait en fonction de ce qui était disponible sur la console. Attention ! Lui, il envoie des... J'ai pas le double saut encore. Des fois, j'ai tendance à appuyer 2 fois sur la touche, mais j'ai pas le double saut. Ça va... Faut les détruire, ces trucs-là, parce que ça tire. Sachant qu'on pourra en renvoyer des projectiles, comme certaines balles, ou trucs comme ça, on pourra les renvoyer avec notre épée. Hein. Et donc ce que je voulais vous dire donc par rapport au graphisme, c'est que à cette époque-là, utiliser plus de 3 frames pour animer un personnage sur un jeu vidéo, c'était considéré comme une perte de temps de calcul, une perte de ressources et surtout une perte de mémoire, parce que c'est surtout la mémoire disponible qui était limitée. La mémoire disponible sur les cartouches était quand même assez limitée. Quand vous voyez la taille, en termes de kilo-octets, la taille d'une cartouche NES, c'est très parlant. Ah là j'ai loupé, pas grave. Hop, merde. De toute façon c'est pas grave, il y en avait un là, ça me permet de me reprendre la vie. Par contre, les ennemis vont repopper, évidemment. C'est pas grave. Ils sont pas très dangereux. Merde. Ils sont pas très dangereux, c'est surtout qu'ils sont mal placés. Donc, on a une animation qui est assez spectaculaire pour la NES sur ce jeu. La description du mouvement des personnages est quand même assez fluide par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir à l'époque sur cette console. On va me faire chier, les petits gobelins, là. Là, je récupère toute ma vie avec ça. Vous voyez, lui, je peux envoyer ses balles, ça qui est bien. Et là, ça me permet en fait de sauter sur le toit qui est là. Pour continuer sur les toits de la ville. Là, je suis invincible, donc je vais foncer. Alors, on est invincible et puis il n'y a pas de mouvement de recul. Puisqu'on est, on est transparent, en fait. Et là, par contre, je l'ai, le... Hop. Ah, ils sont chiants, ils sautent comme ça. Voilà, hop. On ne peut pas descendre comme ça, par contre. Il faut faire attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Hop, pour récupérer... les cœurs. Vous voyez là, j'avais, comme j'ai mes conteneurs pleins, et ben un conteneur ça est, hop putain, un conteneur c'est un conteneur c'est l'équivalent à un cœur en fait. Et là on va arriver au boss, deuxième boss. Vous allez me dire, tu l'enchaînes ce test, pourquoi tu nous parles de la technique aussitôt? Là, parce que au niveau 3 je vais me retrouver quand même rapidement bloqué, donc là on peut là, alors certains boss comme les deux premiers, comme celui-là ou le premier ou même un autre plus loin, passe au bourrinage. Mais certains, notamment le boss du niveau 3, ne passe pas du tout au bourrinage, sauf dans certaines conditions. Donc vous verrez ça un petit peu plus loin. Donc on a le contre-coup de cette animation qui est super fluide, enfin qui est super bien détaillée au niveau du personnage, c'est qu'on a un personnage qui est un petit peu lent à se retourner. On a bien entendu un personnage qui a un saut assez court si on accepte le double saut, et une portée de l'arme qui est assez courte aussi. Il faut vraiment se rapprocher des ennemis, même avec l'upgrade, c'est quand même, on faut pas être très loin hein. Donc c'est ça qui fait le fait que ce jeu est difficile, c'est surtout ça. Et alors le fait de pouvoir faire un double saut quand on a l'item et de pouvoir s'accrocher au rebord, c'est vraiment pratique. Et vous notez au passage qu'on a des cinématiques de très très belle qualité, des cinématiques typées cinéma, si on peut dire, un petit peu comme ce qu'il y avait dans Ninja Gaiden, qui sont très 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 bien rendues pour l'histoire de jeu. Regardez la définition du père de Jack Slater, ça c'est dans Last Action Hero, de Ricky Slater, c'est quand même assez bien. Regardez là, ça c'est lui, c'est le Comte Crimson, c'est le méchant du jeu. Et là en fait on nous explique que lui et son acolyte, qui est une espèce de savant, ont fabriqué la machine Luna System, qui sert en fait à activer les pouvoirs du cristal de lune, même quand la lune n'est pas pleine. Parce que normalement les pouvoirs du cristal de lune ne s'activent que pendant une pleine lune. Et là eux ils ont fabriqué une machine à pleine lune si vous voulez. Et donc mais le problème c'est qu'ils savent pas encore bien comment la faire marcher. Et ils ont besoin
du père de Ricky, qui est un professeur qui est expert dans ces trucs-là. Je sais pas exactement comment s'appelle cette discipline, qui n'existe pas, mais il est expert là-dedans. Et donc, du coup, ils ont besoin de lui. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont enlevé... En fait, ils l'ont enlevé, lui. Ils l'ont envoyé dans le laboratoire où ils fabriquent la machine, où ils ont fabriqué la machine. Et sa famille, sa femme et sa fille sont dans les mines, dans des mines qui servent à récolter des cristaux, mais des cristaux de lune, a priori, ils l'ont. Donc, on sait pas trop ce qu'ils récoltent dans les mines. Mais en tout cas, ils ont des mines, et c'est là-dedans, les mines, c'est le niveau 5. C'est là-dedans qu'ils ont envoyé la famille de Ricky. Alors ici, que je fasse pas de conneries, je vais aller choper cet item-là. Je vais d'abord vous montrer pourquoi je fais ça, sinon ça n'a pas d'intérêt. Allez, viens à toi. Ah putain, sale. Ouais. En fait, ici, il y a une porte. Elle est fermée, il y a plusieurs portes. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est descendre ici. Ça déjà, ça commence à être compliqué. Enfin, c'est pas compliqué dans le principe, mais c'est... On appuie là, c'est timé, et donc il faut y aller. Merde, je suis tombé dans le trou. Mon bouton de saut s'est pas déclenché. C'est pas grave. Et vous voyez que donc, j'avais une upgrade de vie que j'ai plus. Hein. Attention. Donc ici, on descend. Elle, on se dépêche. Elle a pas le temps de dégainer. C'est un jeu à connaître par cœur. Hein. Ici, ça a l'air de rien, parce qu'il y a pas beaucoup d'ennemis. Enfin, je vais quand même aller choper l'item qui est là-bas. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est un cœur, bon, j'ai pas besoin de le choper. J'aurais pu le choper au prochain essai parce que je vais sûrement me louper sur le premier essai. Attention, on y va. Allez, vite, 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 vite. Parce que là, ça va se refaire, ça se referme super vite. Voilà. Bon, ça va, c'est pas si. Ça se referme pas si vite que ça. Mais la deuxième, par contre, elle est un peu plus chaude à avoir. Ici, les bottes de double saut. Alors, ici, premier ennemi du jeu qui se tue en deux coups, le squelette. Merde, mon double saut a pas déclenché. Aïe aïe aïe. C'est un jeu, dès qu'on commence à stresser, c'est plus la peine. Vous allez voir, ça c'est vraiment les premières difficultés du jeu. Les premières grosses difficultés du jeu, elles se situent ici. Donc ici, on va refaire la même manip que tout à l'heure. Oh, j'ai pas besoin, je le laisse là au cas où je me loupe. Ces flammes là, elles sont juste chiantes. Merde. Bon, allez hop. Vite, 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 on se dépêche. Voilà. Oh putain. Alors je pourrais utiliser les save states. Ce jeu il est faisable en save state, mais dans un test c'est pas mon credo, c'est pas d'utiliser les save states. Putain, j'ai cru que j'allais pas me retourner. Ces plateformes là en fait, elles... Ah putain, voilà, elles se penchent quand on va au bord. Mais bientôt plus de vie. J'ai bientôt plus de vie, bah c'est pas grave, je reprendrai au début du niveau 3. Hein. Sachant qu'on a les continues limitées, heureusement. Comme dans beaucoup de jeux Jap, on n'a pas de nombre de continues finies, on a les continues limitées, on reprend au début du niveau. Merde. Bah du coup, je vais pouvoir le prendre, le cœur, là. Ah, je remonte. Hop. Sachant que pour monter sur les escaliers, il n'y a pas de truc à faire à la Castlevania, où il faut appuyer sur haut, en diagonale, il n'y a pas... Il faut juste monter dessus, quoi. Alors des fois, ça pourrait être un peu perturbant. Alors je vous rassure, il n'y a pas 50 000 passages comme ça. En escalier timé. Ah, ça, c'est bien, ça. Il y en a deux. Ici. Hop, alors, on va essayer de pas crever. Sachant qu'après, il y a le boss, qui est pas évident. Voilà, j'ai réussi à me retourner. Oh, merde! Putain, il s'est pas accroché au bord, saloperie. Vous voyez, ça commence à être compliqué. Hein. On va refaire on va relancer la partie. Et puis, on va lancer la partie, on va faire continue. Et puis, on va tranquillement conclure sur le test. Putain, ceux-là, ils m'énervent. Parce que à chaque fois, je me fais avoir quand ils sautent. Hop. Merde, quel con. Ouais, je commence à stresser, à faire n'importe quoi, là. On se calme. Hop, donc c'est un jeu, je vous ai dit, qui est très bien réalisé au niveau du graphisme. Au niveau de la musique, c'est assez... des fois, ça arrive, ça, qui retombe comme ça. C'est assez surprenant, parce qu'on a des thèmes qui sont sympas, mais parfois, il y a des temps morts dans les musiques. Voilà, c'est un choix, je pense, pour renforcer l'ambiance un petit peu mort-vivant, etc. C'est un choix, mais ça fait une musique qui est parfois assez déroutante, mais globalement sympathique. Alors là, le...
Le cœur, il sera le cœur qui est en bol, là, il sera. Et voilà, je suis putain, mais quel con. Je me fais jamais avoir par cette archère là, et pourtant là, oui. C'est con parce que j'avais 4 cœurs. Sachant que de toute façon, si j'ai pas 5 cœurs au boss, je le bats pas parce qu'il faut qu'il passe au bourrinage. Voilà. Mais à mon avis, je sais pas s'il y a suffisamment d'upgrade dans ce niveau pour avoir 5 cœurs au boss. Hop. Alors lui, on le tue bien pour pas qu'il nous gêne. Et on y va. Hop, 5 cœurs pleins, j'entends. Évidemment. Donc je vous dis, au niveau de l'ambiance sonore, c'est parfois un peu déroutant, mais globalement, ça se tient bien. Voilà, c'est un jeu qui est globalement bien réalisé. Oh, attention, là, c'est dangereux, ça. C'est dangereux, ça. Donc c'est un jeu qui est plutôt joli. Oh merde, oh, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis passé, c'est l'essentiel. Il me refile un cœur. Maintenant, je vais attaquer la deuxième. Vous voyez, là, ici, il y a un bouton. Hop, ici, on va le tuer, comme ça, il nous gêne pas. Ici, il y a un bouton, alors on y va. Hop, attends, ah, merde. On se concentre, on va essayer de le faire. Du premier coup, vite, vite, on se dépêche. Parce que là, par contre, le timing est serré. Là, ici, hop, 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 ici. Ah, merde. Bon, là, ça va, on meurt pas. Mais on retombe juste en dessous, quoi. Vous avez vu, le bouton, il vient se refermer, hein. C'est super, super rapide. Allez, ah, merde. Attention, parti, on y va. On se dépêche, voilà, tac, tac, tac. Oui. Bon, je me suis fait toucher par la porte, mais c'est pas grave. Et là, je crois qu'il y a un checkpoint à ce pont, donc c'est plutôt une bonne chose. Là, je suis invincible. Mais bon, j'ai pas 5 cœurs, donc le boss, je peux m'asseoir dessus, quoi. Je peux juste m'asseoir dessus pour le battre. Parce que j'ai pas mes 5 cœurs, et donc... à moins que... On ait une upgrade. Maintenant, il m'en faudrait 2. Bon, ici, c'est les bottes. C'est mort. Un petit cœur. Mais je suis content parce que j'ai quand même réussi à aller jusque là. Hop. Et ici, faut pas stresser, hein. La plateforme, elle va pas se retourner parce qu'on est dessus. C'est pas une plateforme à la Castlevania. C'est une plateforme qui se... Hop. Alors là, ce serait quand même bien que j'aille voir ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. C'est une vie ou... Ouais, c'est une vie. Ah bah, c'est pas mal. Bah, ça me servira pas à grand chose vu que, à mon avis, je peux pas battre le boss autrement qu'au bourrinage. Et le boss, on y est bientôt. Voilà, là j'ai 4 cœurs, mais vous allez voir, le boss, il est juste affreux. Et puis, bah, on n'ira pas beaucoup plus loin. Voilà, lui, en fait, vous allez voir, il fait ça. Le problème, c'est quand on se rapproche de lui, il nous file un coup de canne, comme là. Vous voyez, bah, en plus, il nous coince dans les coins. Donc, faut quand même rester assez éloigné de lui. Et normalement, il faudrait lui passer par-dessus avec le double saut. Mais j'y arrive pas. Alors, ici, vous voyez, le checkpoint, il était pas au pont, il était là. Donc, juste après les un peu après les passages à la con. Voilà, elle, je la shoot. Je récupère les bottes. On va essayer autre chose pour le boss, mais bon, concrètement... Parce qu'il y aura une technique avec les boss qu'il faudra maîtriser absolument, notamment pour le boss du niveau suivant, qui est le capitaine du bateau pirate. Où il faudra, en fait, réussir à... Hop. Merde, quel con! J'ai fait un double saut. Et il faudra réussir en fait à sauter en faisant un double saut par-dessus le boss. Les boss qui font systématiquement quasiment 2 têtes de plus que nous. Bah, ils ont la même taille que les ennemis qui sont là, quoi. Alors elle, je sais pas ce qu'elle fait. Hop, elle reste bloquée dans l'escalier. Ça devait pas être prévu qu'elle se mette dans l'escalier. Hop. Voilà, les boss qui font donc systématiquement, on va dire, pas 2 têtes, 1 tête de plus que nous. Et donc pour sauter par-dessus correctement, il faut le double saut. Ça c'est une chose. Il faut le double saut. Sachant que quand on atterrit au sol, vous avez remarqué, le perso est lent à se retourner. Le perso est lent à se retourner et donc pour ce... Hop, ici je vais encore récupérer la vie. Ça c'est bien parce que ça permet de pas... ça permet de reprendre à l'infini, ça c'est plutôt pas mal. Donc il faut sauter par-dessus la tête du boss en faisant un double saut. Hop, et se retourner quand on est en l'air, atterrir pas sur lui parce qu'on se prend un dégât, mais enfin dans son dos, profiter en fait qu'il nous donne un coup pour sauter par-dessus et atterrir dans son dos, et lui donner un coup et ensuite ressauter. C'est pas évident. Bon, en plus, je me prends sa merde. Normalement, lui, il faut le bourriner comme ça, mais on n'a pas assez de cœur pour le faire.
Voilà, là je suis mort. On a pas. Si on a 5 coeurs, on y arrive. On arrive à le bourriner. On le bourrine et et il meurt. Et putain, j'arrive pas à le. Je fais n'importe quoi. Voilà, donc c'est ça c'est un peu le problème avec ce jeu. C'est qu'il y a des. Il y a des boss qui passent tout simplement pas autrement qu'au bourrinage. Enfin, ou alors il faut vraiment connaître une super technique. Une technique ultra précise avec le double saut. Que moi je maîtrise pas du tout. Regardez, même dans les long plays, les mecs ils l'utilisent. On voit qu'ils arrivent à se viander quand même. Ils arrivent à se prendre des dégâts quand même. Alors que normalement, dans ce genre de vidéo, c'est pas du zéro hit, mais presque quoi. Putain, mais pourquoi j'attends? Et voilà, je fais de la merde. Et en plus, là j'ai plus de vie. Vous savez que je vais reprendre au début du niveau. Bah, c'est pas grave, on va se laisser là. Donc, c'est un jeu qui est très punitif. Une difficulté élevée entre les passages à connaître par cœur. À partir du niveau 4, ça commence. Hein. Les passages à connaître par cœur et les boss qu'on peut pas battre si on n'a pas la bonne technique. C'est un jeu qui est très punitif, qui a l'air facile parce qu'il, enfin, au départ, il a l'air facile parce qu'il est quand même très souple au niveau des commandes. Hein, à part le fait que le perso est lent à se retourner, il est très souple au niveau des commandes. Ça se manie bien, mais par contre, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est vraiment un jeu qui est punitif au possible, malgré une certaine souplesse dans les commandes. Voilà, lui, il faut sauter en fait pour l'avoir. Tout simplement, il faut sauter en même temps que lui. On peut donner des coups en sautant. C'est pas super précis, mais on peut. Hop. Donc là, on va essayer. Je dis bien, on va essayer de refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Et puis, non, j'appuie pas sur le bouton. Je vais d'abord aller chercher le. Oh non, c'est une upgrade. C'est pas une upgrade, c'est une recharge. Donc je la prendrai si jamais je me fais toucher au retour. Bon, attendez, je vais attendre parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Je vais attendre que le bouton se referme. Donc en fait, ce jeu, il fait partie d'une, pas d'une génération, mais d'une certaine catégorie de platformer de la NES Famicom. Oh, putain, alors là, si la porte se referme pas, je comprends pas. Donc ça fait, eh ben voilà, ça fait partie d'une certaine. Alors ici, on tombe là, je sais plus ce qu'il y a ici. Heureusement qu'on peut s'accrocher au rebord quand même. Hop, donc là, on monte de l'autre côté. Attention à elle. Et on va recommencer. Enfin, du coup, je vais récupérer le. Ça, puisque. Voilà. Eux, c'est les seuls ennemis qui repop, même quand on chante pas d'écran. Je sais pas pourquoi. Ah putain, allez vite, on se dépêche. Là, la porte, elle va se refermer. C'est même pas la peine. Et voilà. C'est... La première s'est refermée. Tellement j'étais lent. Allez, on se dépêche. Puis on va s'arrêter là de toute façon. Donc ce jeu fait partie d'une génération, pas d'une génération, encore une fois je me trompe de mot, d'une catégorie de platformer hardcore de la NES Famicom, comme, alors, il y a des jeux beaucoup plus durs, hein, c'est comme Magical Doropy ou Holy Diver par exemple. Donc il y a énormément comme ça de platformer, de jeux de plateforme très, très difficiles sur la... Oh là, putain, comment je vais faire ici? Ah, voilà. Très difficile sur la NES Famicom. Celui-là en fait partie. Il est un petit peu plus accessible au départ, mais après, en gros, si vous voulez le finir, il faut utiliser le save state, quoi. Chose que j'ai fait un petit peu quand j'ai préparé le. Maintenant, je voudrais le. Maintenant, j'ai pas besoin. Que j'ai pris un petit peu quand j'ai préparé le test, mais que je vous conseille pas de faire sur aucun jeu. Putain, j'ai du mal hein, quand je descends de ce bouton à chaque fois. Hein. J'attends. Vous inquiétez pas. Donc c'est un jeu qui est de toute fin de vie de la Famicom, évidemment, puisqu'il attire l'œil de par la qualité de son animation. Allez, dégage-toi. Voilà, ça passe. On va essayer de se faire l'autre bouton, comme tout à l'heure. Sauf que, bah, j'arriverai encore pas à faire le boss, puisque je peux pas le bourriner. Voilà, je me suis pas fait toucher par ça, c'est déjà pas mal. Lui, on va le buter. Hop là, voilà. Donc ça fait partie d'une catégorie de jeux assez difficile à finir, assez délicat sur la NES et la Famicom. Voilà, enfin, c'est sûr que sur Famicom, ce qui n'est pas sorti ailleurs, hors du Japon. Oh putain, j'ai réussi à pas me faire toucher par la porte. Ça c'est beau. Le seul truc, c'est que j'arriverai pas à battre le boss au bourrinage. Ce qu'il faut en fait pour pouvoir battre le boss au bourrinage, je vous dis, il faut les 5 coeurs. Et donc il faut le faire. Faut faire le niveau d'une traite. Ce qui est possible, hein, mais il faut s'entraîner, quoi.
pour pas se viander. Hop. Parce que là, je vais récupérer une upgrade qui me fera 4 cœurs, mais pas 5. Hop, voilà. Donc on va, je vais vous remontrer le boss, puis on s'arrêtera là. Hein. Je vais essayer une technique de double saut sur lui. Merde, non! Putain, pourquoi je fais un double saut? Vous voyez, c'est énervant. On prend des automatismes et puis... alors que le double saut, on l'a pas tout le temps non plus. Ah oui, elle se bloque dans l'escalier, c'est vrai. Hop, voilà. Allez, on va aller jusqu'au boss. On va se finir là-dessus, ce sera très bien. Ah si j'y arrive, je dis ça. Bah voilà. Bon bah, merci à tous d'avoir suivi ce test un petit peu chaotique quand même de Moon Crystal. Un jeu que je vous recommande si vous aimez... péter les plombs sur un platformer hardcore sur Famicom. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Doc McCoy. Salut !